années 1970-1980, c'est souvent considéré comme l'âge d'or du compas. Et son longue période qui était riche dans affaires polémiques jazz. Et tout bas est à commencer avec duel qui était existé entre Difficile et puis Gypsy. Et Robert Martino, papa Monsieur Tivaisio. Je dois quitter Difficile qui est le propre groupe qu'elle a créé en 1970 pour le tal fonder les Gypsy avec quelques musiciens qu'elle était fait partie de même groupe ça qui était Difficile là. Et en 1976, Robert Martino t'a pas abandonné les Gypsy pour t'al introduire dans Scorpio Universel. Donc c'est pas qu'on y a ouais gon ribambel gon causé nèg a quitté jazz pour aller créer jazz pour faire l'autre jazz. Et les Difficile de Pétionville t'a pas vinn transformer en DP Express. C'était gros polémique dans l'époque ça. Et polémique qui t'a existé, t'a pral vin transformé en DP Express avec Scorpio. Et rivalité ça a été marqué toute fin année 1970 là, où t'a pral commencé année 1980. On a parlé de musique haïtienne, surtout dans la période carnaval. Et duel qui t'a existé entre DP Express avec Scorpio jusqu'à journée aujourd'hui, nous ka kembe ça que nous ta ka rele une sorte de caractère modéré.